بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجنون تقدم لكم الدرس الأول من القسم الذي يتعلق بالقراءة وما زلنا في الكتاب الثالث من كتب المدينة. Donc c'est le troisième tome de Médine, troisième partie, lecture, et c'est le cours numéro 1. عَاقِبَةُ الرِّيَاءِ عَاقِبَةُ يَعْنِي آخِرُ كُلِّ شَيْءٍ وَجَزَاءُهُ. C'est la fin de toute chose, la récompense, la conséquence. Donc عَاقِبَةُ الرِّيَاءِ. Déjà الرِّيَاءِ c'est le masdar de رَاءَ يُرَاءِ في المضارِعِ. يعني أراه أنه على خلاف ما هو عليه. C'est le fait de faire montrer aux gens le contraire de ce que l'on est réellement. D'accord? Donc, on va voir les conséquences de ce comportement. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة. يقضى بمعنى حكم. La première personne qui sera jugée au jugement dernier, رجل استشهد. استشهد بمعنى قتل شهيدا. Il était tué donc, il était mort martyr. Donc رجل استشهد. فأوتي به. Donc on va le faire venir cette personne qui est décédé martyr. فعرفه نعمه فعرفها عرف بمعنى جعله يعرفها. C'est le fait de faire en sorte que cette personne reconnaisse les bienfaits. D'accord? فعرفها. Donc عرف الشيء يعرفه معرفة المصدر أدركه بحاسة من حواسه. C'est le fait de se rendre compte de par ses propres sens en fait de ces bienfaits là. Donc si je reviens au hadith, donc fa'utiyabi, donc on a fait venir cette personne qui est mort donc martyr. Fa'arrafahu ni'amahu, donc Allah a fait en sorte que il reconnaisse donc ses bienfaits. Ni'amah, donc ni'ama c'est le jama de ni'amatun, ma un'ima bi min rizqin wa malin wa ghayrihi. C'est tout ce que on a donné au serviteur, tout ce qu'Allah a donné au serviteur comme rizq et comme bien et autre chose. Et donc le pluriel de ni'matun c'est ni'amun et an'umun. Donc on va faire venir cette personne là. Fa'arrafahu ni'amahu, donc Allah a fait reconnaître à cette personne-là les bienfaits qu'on lui a accordés. Fa'arafa, donc il a effectivement donc il reconnaît donc tous ces bienfaits là qu'il a eu. Qala fama amilta bi fama amilta fiha. Et donc on va lui dire qu'est-ce qu'il a fait avec tous ces biens. قال قاتلت فيك. Donc j'ai combattu dans ton sentier. فيك حتى استشهدت, jusqu'à que je sois mort martyr. قال كذبت. Et donc on va lui dire que tu mens. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. On va dire que tu as combattu pour que les gens disent que tu es un jari'un. Jari'un. C'est shuja', c'est quelqu'un de courageux. Le verbe c'est jaru'a 'ala shay' yajru'u jur'atan jura'atan fa huwa jari'un jari'un. Et le pluriel c'est jura'un wa Ujriya'u.
فقد قيل. Tu as combattu pour qu'on te dise que tu es quelqu'un de courageux. Et ça a été dit, parce que lorsque tu es décédé, tous les gens ont dit, voilà, cette personne était courageuse. Donc en gros, tu as eu la récompense sur Terre, à savoir que le fait que les gens t'ont évoqué comme quelqu'un de courageux. Donc on a ordonné de le prendre. Fasuhiba ala wajhihi. Sahab al-shay'a yashabu sahban. Yani jarrahu ala al-ard. C'est le fait de traîner quelqu'un. Subhanallah, cette personne va être traînée sur son visage. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ulqiya finnar, yani turiha. Jusqu'à qu'il soit jeté dans le feu. ورجل تعلم علما وعلمه. Et donc une personne, on va aussi apporter une personne qui a appris le savoir. وعلم, il l'a enseigné. وقرأ القرآن, donc il a lu le Coran. فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته. Qu'est-ce que tu avais avec tout ce ilm là? Qu'est-ce que tu as fait avec tous ces bienfaits-là? Ben, j'ai appris le ilm et je l'ai enseigné. وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ, et j'ai lu le Coran pour toi. قَالَ كَذَبْتُ, tu es un menteur. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمُ, mais tu as appris la science pour qu'on dise de toi que tu es savant. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ, et tu as lu le Coran pour qu'on dise de toi هُوَ قَارِئٌ, que tu es un grand lecteur. فَقَدْ قِيلَ. Et ça a été dit. Tout ça a été dit sur terre. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه. وسع الله عليه يوسع توسيعا وتوسعة. يعني أغناه. C'est une expression pour dire qu'Allah l'a enrichi. وأعطاه من أصناف المال كله من أصناف المال أصناف الصنف النوع c'est une sorte et le purée donc c'est أصناف donc on lui a donné toutes sortes de biens فأوتي به donc on a ramené cette personne et même chose فعرفه نعمه فعرفها قال ماذا عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. Je n'ai pas laissé une voie, un chemin, min sabil, que tu aimes, hatta, jusqu'à que, non, min sabili tuhibbu, an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Je n'ai pas laissé une porte, hein, en gros, que tu aimes, dans lequel tu aimes qu'on dépense sans que je ne dépense. Sabil yani donc ça déjà c'est un mot féminin yudhakkaru wa yu'annath yu'annath yani at-tariq et le pluriel c'est subul. Donc sabilillah kullu ma amara Allah bihi min al-khayr. Tout ce que Allah a donné comme bien, on l'appelle ça fi sabilillah. Wa idha jaa fi al-kitab wa sunnati mutlaqan urida bihi al-jihad. Et lorsque dans le kitab ou sunna on dit sabilillah de façon générale mutlaq, eh bien on parle de ça sous-entend le jihad. Qala kadhabt. Tu es un menteur. ولكنك فعلت لي وقال, mais tu as fait cela pour qu'on dise هو جواد. جواد من الفعل جاد يجود جودا فهو جواد. Et le pluriel c'est أجواد وجوادا. Quelqu'un d'extrêmement généreux. جواد يعني سخي. Ça c'est
un synonyme de Jawad Sakhiyun. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Donc là on passe parce que tout ça on a expliqué. تمارين ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وقل صحيح وعلامة الخطأ أمام العبارة التي فيها خطأ وقل خطأ. Vous avez plusieurs phrases et vous dites si c'est sahih ou bien si c'est faux. قاتل المجاهد ليقول الناس هو جريء لكنهم لم يقولوا ذلك. Faux ou bien vrai? Est-ce que c'est faux ou vrai? هؤلاء الثلاثة كانت أعمالهم خالصة لله تعالى. Est-ce que c'est donc ces trois personnes-là, toutes leurs actions étaient sincères? Vrai ou faux? Bon, c'est évident. الرياء يبطل العمل. Rien, ce qu'on a expliqué, hein, le fait de faire montrer aux gens, une chose qui est contraire à ce qu'on est réellement. Est-ce que ça, le rien, yubatilur ramel, batala yani fasada, est-ce que c'est ça rend caduque l'action, vrai ou faux? Man mata wa huwa mura'in bi'amalihi dakhala an-nar. Celui qui meurt et qui est mura'in. Donc ça c'est le isme fa'il du verbe hein, qu'on a vu hein, au début. Si une personne meurt et qui meurt dans cet état-là, c'est-à-dire le fait de montrer aux gens le contraire de ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il rentre dans le feu? Ikhlas ou l'amali lillahi wahdahu shartun li qabuli l'amal. Al-ikhlas min al-fi'al akhlasa, yani taraka li rish wa riya. C'est le fait de laisser tout. Toutes sortes de mauvaises choses, de mauvaises intentions, de mauvaises riyad, donc le fait de montrer aux gens le contraire de ce qu'on est vraiment. Ah, c'est ça, ça vient de Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, c'est sincérité, si on peut le traduire comme ça. Donc est-ce que la sincérité dans les actions, tout seul, est-ce que c'est une condition pour qu'Allah accepte cette action? C'est évident. أكمل العبارات الآتية. Donc là, il faut finir les phrases. أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة من أهل الرياء هم عرف الله تعالى هؤلاء المرائين نعمه. المرائين c'est qui pratique le riya. فيلقى هؤلاء الثلاثة في النار لأن أعمالهم كانت. Et vous continuez. إملأ الفراغ في الجمل الآتية بالكلمات المناسبة مما بين القوسين مع التعديل. إن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد. C'est quoi? C'est يوم يوم يوم. Vous revenez au texte, hein, vous allez trouver la réponse. لكنك العلم ليقال عالم أعطاه من أصناف المال كله أعرب ما تحت خط فيما يأتي. Donc faites l'irab de ce qui est souligné. ولكنك فعلت ليقال هو جواد. Donc là c'est phrase nominale hein, composée de deux termes hein. Donc le premier terme il est évident que c'est un je ne dirai pas la réponse. ولكنك تعلمت العلم ليقال لي. On a déjà vu hein, dans النحو الواضح لي يقال. Pourquoi c'est منصوب hein, عالم. هاتي عكس الكلمات الآتية. Donc donne le contraire de tous ces mots-là. جري جواد عالم كذبت الريا. السبيل. السبيل. Une faute hein, c'est السبيل. Ici. C'est une fatha. Kassara. C'est pas une fatha. As-sabil yudhakar wa yu'annathu. Fahati min al-nas ma yadullu ala ta'anith. Donne une preuve hein, du texte que une preuve dans le texte que as-sabil là, il est utilisé au féminin dans ce cas-là.
هاتي جمع المفرد ومفرد ومفرد الجمع. Donc donne le pluriel lorsque c'est au singulier, donne le singulier lorsque c'est au pluriel de jariyun, ni'amun, sabilun, asnafun, qari'un, jawadun. تأمل المثال ثم أكمل على غراره. المبني للمعلوم المبني للمجهول. في الماضي قال يقول et مبني للمجهول قيل يقال. La forme passive. Faites la même chose avec يقضى استشهد أوتي أمر صحب ألقي ينفق. Donc là il faut vraiment quelqu'un qui vous corrige hein, parce que vous ne pouvez pas savoir, tout seul si vous avez bon ou pas. املأ الفراغ في الجمل الآتية بأفعال وردت من النص من باب أفعل وفعل وبين نوع من في كل جملة. Donc vous remplissez dans les petits points un verbe qui vient du texte sous la forme soit أفعل ou bien فعل. أفعل par exemple. فعل par exemple عرف on l'a vu. Donc من كهذه المسألة. Donc dans ce verbe, dans ces phrases là vous allez soit avoir من الموصولة c'est-à-dire بمعنى الذي ou bien من du سؤال de la question. Donc, il faut dire de quelle catégorie fait partie ce من. من ما له رياء فقد أضاع المال والأجر معا. فقد أضاع إلى السخط perdu. عجبت ممن الله عليه ولا يظهر أثر ذلك فيه. من هذا الطعام في سلة المهملات. سلة المهملات لا بوبل. اليد العليا هي يد من. من هو الله نعمه فلن ينكرها. ينكر سي لو فات دو نبا ركونيتر. قاتلت فيك في هنا تفيد السببية. قاتلت فيك جي كومباتو بور توا. في dans ce cas-là c'est pas dans c'est pour évoquer la cause. من أجلك. تأمل عبارة السابقة ثم ضع هذا الحرف السين أمام الجمل التي تفيد فيها في السببية. Donc dès que vous voyez un fa qui fa du السببية vous mettez un sin. فما عملت فيها ألقي في النار قرأت فيها القرآن ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. دخلت امرأة النار في هرة حبستها. Une femme est rentrée en feu, dans le feu parce qu'elle a emprisonné une chatte. إني أحبك في الله. قاتلت فيك حتى استشهدت. حتى هنا بمعنى إلى أن. حتى dans ce sens là au sens de إلى أن. تأمل العبارة السابقة ثم هاتي الثلاثة جمل من إنشائك على غرار المثال. استذكرت دروسي حتى تعبت. J'ai révisé mes cours jusqu'à ce que حتى إلى أن تعبت jusqu'à que je sois fatigué. Vous faites trois phrases avec ce حتى. ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيك لك. من هنا زائدة. Ici, dans ce sens-là, min, il est zaïd. C'est un motoufi de taoukid, le umum, pour appuyer le sens général. Ma taraktu, à la base, c'est ma taraktu sabilin. Et là, on dit ma taraktu min sabilin. Donc là, on dit qu'une min, il est zaïd, c'est-à-dire qu'il est en plus, mais il a quand même un sens de taoukid pour appuyer. تأمل العبارة السابقة ثم هاتي ثلاث جمل من شائك حتى غرار المثال الآتي. ما قابلت من مسلم إلا سلمت عليه. Je ne rencontre pas de musulmans jusqu'à que je leur passe leur salam. Le salam. Faites trois phrases donc avec ce min zaïd qui a le sens de tawkid. استعمل كل
كلمة مما يأتي في جملة من إنشائك لكي يتضح الفرق بينها وبين أختها. Là, il y a deux verbes. Hein. On va dire que c'est sa sœur, parce qu'il y a la même racine. Mais il y a des lettres qui sont en plus qui ont des qui ont une influence sur le sens. Hein. Ta'allama, donc ça vient de son, le même la racine alim, ayn, lam, mim. Mais ta'allama, c'est apprendre. D'accord. Et allama, c'est enseigner. Qatala, c'est le fait de combattre. Qatala, c'est tuer. Qutila, c'est être tué. Mata, c'est être mort. Donc là, c'est pas le même sens, c'est pas la même racine. Qutila et mata. Mata, c'est mim waw ta maut. Donc utilise les deux verbes hein, dans différentes phrases pour comprendre bien sûr la notion entre les deux. On peut penser en apparence que c'est exactement la même chose, mais c'est pas la même chose. Qatala, combattre. Qatal tufik, je me suis combattu pour toi. Mais si on dit qatala, il faut un sujet et un maf'ul bih. Donc, adkhil kulla kalimati mimma ya'ti fi jumlati min insha'ik. Yuqalu. Donc, utilise yuqalu, vous faites une phrase. Vous pouvez réutiliser le texte. Hein. Li lamu ta'lil. Hein. Li wa qala. Fi bima'na bisabab. Vous faites une phrase avec fi bima'na bisabab. Ou min ajli. Nektafi bihada al-qadr wa ila darsin akhar. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ash'hadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.